Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Tu sais pas quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Titanfall 2 qui s'est terminée malheureusement il y a à peu près 2 semaines. Voilà. Alors, avant toute chose, il faut savoir que j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer parce que Titanfall 1 comme le 2, alors j'ai pas joué au 1 parce que il était sur Xbox et je joue sur PS4, mais j'ai vu pas mal d'extraits, je me suis renseigné, je trouve ça dommage que. Comme dirait Skyrose, que Titanfall 1 soit un pétard mouillé. Mais je crois pour. Enfin, je crois pour la réussite absolue de Titanfall 2, tout simplement, parce que il y a eu certains correctifs, certaines améliorations, certaines nouveautés aussi, notamment les classes. Enfin, les spécialistes, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, le sort de couteau de lancer que j'ai lancé, il ne sert pas qu'à tuer, mais il sert à faire un effet de sonar pour détecter les ennemis à travers les murs. Voilà. Donc, c'est des exemples de nouveautés. Il n'y a pas que ça. Il y a le grappin, hein, il y a une autre classe qui est la création d'un hologramme, etc. Enfin, bon, bref, pour faire diversion. Plein de choses sympas. Donc, moi, franchement, j'ai trouvé la bêta assez complète, finalement. Donc, pour une bêta, il y avait pas mal de contenu. Il y avait 3 cartes. Une ou deux armes dans chaque catégorie d'armes. J'ai trouvé franchement le jeu pas décevant du tout. Après, il s'agit de la bêta, donc je pars du principe que cela peut que s'améliorer. Et j'ai pas réellement vu beaucoup de défauts, si ce n'est que c'est comme Titanfall 1. Il y a des modes comme Chasseur Titan, Bounty Hunt, pardon, où il y a beaucoup, mais à mon avis, beaucoup trop de bots. Je trouve ça dommage, puisqu'on a plus l'impression de jouer comme ça dans des parties personnalisées où on joue contre l'IA que contre des vrais ennemis. Alors, c'est pour ça que je fais mon gameplay là maintenant, là tout de suite, en mode pilote contre pilote. Comme ça, c'est là où on peut réellement voir son vrai niveau sur ce jeu, donc Titanfall 2. Encore une fois, il s'agissait de la bêta, donc tout n'est pas clair encore. Il restera plein de choses à voir, notamment sur l'équilibrage des cartes. Donc les 3 cartes que j'ai eues, il y avait une carte un peu corps à corps comme celle-ci, où il y avait pas mal de maisons. Il y avait une carte où il y avait une vaste étendue d'herbe, donc un peu plus faite pour la mi-distance, où là les snipers ont un minimum d'intérêt. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans le détail, dans l'aspect technique de ce jeu Titanfall 2, sans le comparer au 1, parce que, voilà. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, tout simplement parce que j'adore les jeux d'action, les jeux nerveux et rapides dans les déplacements. Je ne suis pas trop fan de Call of Duty, du moins je l'étais avant, mais plus maintenant, donc, comme vous l'avez vu, je joue beaucoup à Battlefield, mais j'ai trouvé Titanfall 2 une exception, c'est-à-dire que il y a des mouvements proposés, les glissades, les jetpacks, etc. La liberté de mouvement, le wall run, qui consiste à marcher sur les murs, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout, et j'ai adoré la liberté de déplacement, voilà. Maintenant, les armes, je les ai trouvées assez équilibrées, mais j'ai trouvé que sur ce genre de carte, un combat assez rapproché, seuls les fusils d'assaut et carabines fonctionnent. Autrement, c'est même pas la peine de jouer au sniper, on se fait littéralement éclater. Voilà, donc j'ai pris cette partie comme ça, je l'ai trouvé pas trop mal en pilote contre pilote, hein, donc c'est un peu du match à mort finalement, par équipe. Donc je suis vraiment satisfait de cette bêta. Donc là, c'était tout un peu pour la mobilité, sur la liberté de déplacement. Les armes, je trouve pas qu'elles ont trop de recul. Donc voilà. Bon, là, j'avais 2 AFK sur le gameplay, donc tant mieux, ça fait toujours plaisir. Donc tiens, j'y viens, les animations, donc là, ça fait partie de la liberté de mouvement aussi. Les animations de cut, de corps à corps, sont vachement bien faites. Alors, soit on met un coup de poing, soit si on arrive d'en haut, on met un coup de pied sur la tronche de l'autre, on l'écrase, soit on arrive par derrière, on glissade et on lui met un gros coup de pied dans le fessier, et puis il vole dingue. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré, donc j'insiste là-dessus, la liberté de mouvement, et c'est ce qui me fait kiffer le jeu à mort. Donc voilà. Que dire de plus maintenant sur le gameplay, sur les modes de jeu? Donc oui, il y avait 3 modes de jeu. Il y avait le mode Bounty Hunt avec beaucoup de bots, malheureusement. Il me semblait que c'était en 6 contre 6 avec 15 minutes de jeu. Où le but du jeu, du mode, était de tuer des gens, remplir les... Non, je dis des bêtises. Tuer des gens afin d'avoir de l'argent et la ramener à la banque, histoire d'avoir... C'est un peu comme de l'argent sale, finalement. C'est un peu ça. Ça consiste à faire un aller, récupérer de l'argent et la déposer à son stock. Voilà. Il me semblait pas qu'on pouvait voler de l'argent au stock ennemi. Bon, bref, c'est un peu le mode argent sale de Battlefield Hardline. C'était tout pour ce mode. Il y a un mode, on va dire,
domination, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Un mode domination, vous avez 3 points. Grande nouveauté, donc on aurait pu croire que c'est similaire au mode de Call of Duty. Il y a une différence près. On peut verrouiller les points, c'est-à-dire une fois le point pris, on peut rester assez longtemps afin de le verrouiller. Et donc la capture du point sera beaucoup plus longue pour l'ennemi. Voilà. Donc c'est le mode domination de base avec des titans, etc. Donc les titans, et c'est là où je suis extrêmement content par rapport au 1, même si j'ai pas pu y jouer, mais bon, comme je vous ai dit, je me suis pas mal renseigné, j'ai vu pas mal de vidéos sur ce jeu qui me semblait prometteur, mais finalement non. Donc en ce qui concerne Titanfall 2, au niveau des titans, on aura entre 5 et 10 variétés de titans, contrairement à Titanfall 1 où il y avait le léger, le moyen et le lourd. Ici c'est carrément des... Donc la bêta en proposait deux, le Yon et le Scorch, je crois, qui proposaient des attaques, des mouvements différents, voilà. Donc il y en a un qui a totale maîtrise de l'énergie et l'autre qui a la totale maîtrise du feu. Enfin bon, bref. Je ne vous montrerai pas vraiment de gameplay titan sur ma chaîne parce que la bêta est terminée et je ne pense pas acheter le jeu parce que j'ai d'autres priorités en termes économiques, donc notamment Battlefield 1, où je compte d'ailleurs faire toute l'intégrale de Battlefield 1. Bref, ne changeons pas de sujet. Voilà. Et donc maintenant on va continuer mes impressions sur cette bêta. Je voulais vous parler que comme quoi les armes étaient assez diverses et variées, il fallait avoir une certaine maîtrise sur les fusils à pompe. Mais une fois la maîtrise maîtrisée, on pouvait faire vraiment de gros carnages avec ce fusil à pompe, donc c'était le seul proposé. Je voulais vous dire aussi que l'arme, la R201, celle que j'utilise dans le gameplay, est vraiment polyvalente, donc elle s'adapte à tous les genres de situations. Donc bien que la cadence la plus rapide soit celle de la carabine, la CAR, voilà. Oui, nous avons des levels d'armes, et donc ça c'est pas mal pour débloquer des atouts, des améliorations sur les armes, des accessoires, etc. Encore une fois, c'était la bêta, donc il n'y avait que deux viseurs, il n'y avait que 2-3 accessoires supplémentaires, et puis ça se limitait à ça. Donc voilà, un petit point sniper pour les plus curieux, parce qu'il y en a beaucoup qui adorent le sniper dans les FPS. Il y en a un, le crabeur, qui one-shot, mais qui est extrêmement difficile à maîtriser, surtout quand en face on a 2-3 personnes avec des fusils d'assaut super polyvalents. Faut vraiment avoir une certaine maîtrise pour vraiment réussir réussir une partie avec le crabeur. Il y a un second sniper, donc il est semi-automatique malheureusement, et bah, bien évidemment, sauf en headshot, il ne tue en 2 balles. Voilà. Donc je vais revenir aux spécialistes, aux différentes classes qu'il y a. Donc il y a la classe avec les personnes pour lancer des sonars comme moi, afin de détecter les ennemis. Il y a les classes hologrammes, où les ennemis peuvent lancer leur hologramme pour faire diversion finalement, voir s'il y a des ennemis à l'autre bout de la porte, etc. Il y a le grappin pour accéder à des endroits inaccessibles autrement, notamment les endroits en hauteur. Il y a les boosts, alors le boost j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment pour faire de beaux clips en mode rush, tout simplement parce que bah, justement sur une distance de 100 à 200 mètres on trace à mort et c'est vraiment, le boost est réellement bien fait, on a de bonnes sensations, j'ai bien aimé, je trouve ça bien fait, voilà. La téléportation, et ça c'est la classe, j'ai pas assez joué pour débloquer la classe de téléportation. Il y a un point avant et après, on actionne le point avant. Une fois arrivé sur le point après, on se téléporte en arrière sur le point avant. Voilà. Maintenant, alors les grenades, il y en a différentes. Hein. Il y a des grenades smoke normales, il y a les grenades frag, les grenades qui explosent à l'impact, des grenades anti-gravité, donc qui attire les ennemis sur un centre de gravité et qui explose après, qui ne one-shot pas malheureusement, parce que je trouvais ça, le concept assez stylé finalement. Donc maintenant je voulais vous parler de l'équilibrage titan contre infanterie. Il faut savoir que l'infanterie a des armes anti-titan, et là, encore là j'espère, enfin c'est que la bêta, donc il n'y a que deux armes anti-titan, en espérant qu'il y en ait plus, de manière à pas faire les mêmes boulettes que sur Titanfall 1. Je pense qu'avec ces armes, si tout le monde s'y met et un minimum coordonné, les titans ne font pas le poids. Même si bien que les titans soient bien, bien équipés et finalement assez puissants. Voilà. Tac. Ah oui, voilà. Donc la place du jeu d'équipe dans ce jeu. Alors, il faut savoir une chose, c'est que bon, comme tout FPS, on a certains modes de jeu avec des points, comme la domination. Et donc voilà.
avoir la communication avec des personnes en chat, ça nous permet de faire des meilleures approches, de mieux connaître les positions de l'ennemi et donc faciliter la prise des points et donc la victoire, etc. etc. Donc c'est sûr que le jeu d'équipe a sa place et est très efficace. Voilà. Sûrement plus que sur Call of Duty. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a deux bonus. Il y a les araignées kamikazes, on a deux par bonus qui s'approchent des ennemis automatiquement et qui explosent. Et nous avons la surpuissance de l'arme qui en fait c'est une recharge d'armes activable et qui fait à peu près 1,5 fois plus de dégâts. Et donc voilà, vous voyez, enfin maintenant on ne le voit plus parce que c'est l'épilogue, donc ça aussi c'est très sympa, on s'y était aussi sur Titanfall 1. On doit s'évacuer une fois la partie terminée. Maintenant, je voulais parler d'une dernière chose, la zone de spawn. Elle y est dans tous les modes de jeu, donc ça nous permet de savoir où est-ce qu'il spawn. Donc ça incite pas au spawn kill, mais ça incite surtout, parce que c'est impossible de réellement spawn kill à moins d'être AFK, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté MME un peu aléatoire n'est plus là justement, parce qu'on voit très bien où est le front. Sachant que les zones de spawn changent évidemment. Et donc voilà. Place à la conclusion, est-ce que Titanfall 2 a sa place? Alors moi je dirais largement, et largement que oui, il a sa place. Je définirais cette place, la place de Titanfall en un mot, c'est prometteuse. Pourquoi? Tout simplement, s'ils ne font pas les mêmes boulettes que sur Titanfall 1, Titanfall 2 aura sa place largement s'ils proposent plus de contenu et qu'ils enlèvent un minimum de bots. Voilà. Donc c'était tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, hein. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra de me faire connaître. Voilà, je compte sur vous et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous et à la prochaine! Cette vidéo est maintenant terminée. Je compte sur toi pour mettre un gros like car pour moi c'est très utile. Donc je te remercie et on se retrouve pour d'autres vidéos.